dirais que je suis dessinateur et que je travaille à la fois dans l'édition en bande dessinée, pour la presse, pour des journaux, et aussi pour le milieu de l'art contemporain en fait. Dans mon travail, je peux m'intéresser aussi bien à la bande dessinée qu'à des cartes postales, qu'à un catalogue Ikea ou qu'à n'importe quoi d'autre. Et je peux m'intéresser aussi à des choses qui ne m'intéressent pas du tout, parce qu'il y a quelque chose qui est intéressant de mentionner ou de relever. Je continue parfois à faire des bandes dessinées plus classiques dans la forme, mais j'essaye de trouver des chemins graphiques qui s'éloignent un petit peu de ça pour essayer d'avoir d'autres présentations graphiques que celles habituelles en fait. J'aime tout ce qui a trait à la fois à la littérature expérimentale, l'Oubapo, Loulipo. Je fais partie de l'Oubapo, donc l'ouvroir de bande dessinée potentielle où on fait des expérimentations à base de contraintes, des exercices en bande dessinée. La contrainte me permet d'avoir des idées en fait. C'est-à-dire que même quand on me commande des dessins, si on me dit « t'es libre de faire ce que tu veux », c'est très difficile pour moi d'arriver à ressortir quelque chose d'intéressant avec ça. Par contre, si on me donne une contrainte de format, de thématique, avec des choses bien précises, c'est ça qui va générer l'idée et qui va me motiver. Ça permet justement de créer quelque chose auquel on ne s'attendait pas en fait, et c'est ça qui est intéressant. Un jour, je me suis dit que ça serait intéressant d'étudier la bande dessinée Tintin en Amérique et de travailler sur la violence qui était présente dans cet album-là. Et donc j'avais fait une sélection de mots dans l'œuvre qui me semblait intéressante à noter. Et en les entourant et en recouvrant la planche d'encre noire, je me suis rendu compte qu'il était possible de travailler graphiquement sur le support imprimé lui-même. Et du coup, j'ai laissé des petites zones de couleur dans la planche à découvert. Et du coup, en faisant cette réflexion-là, je me suis rendu compte que ça donnait une sorte de planche nouvelle et qu'il y avait possibilité d'exposer ce travail-là. Je me rends bien compte que j'ai différents publics en fait. Parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas ce que je peux faire en bande dessinée ou ce que je peux faire pour des expositions. Mais ce qui est intéressant, c'est quand j'arrive à fédérer des publics qui vont connaître à la fois ce que je peux faire en édition et pour des expositions. Parce que maintenant, c'est souvent lié. C'est-à-dire quand je fais un projet de livre, il y a souvent une exposition qui l'accompagne ou par rapport à un projet d'exposition, souvent après, je peux penser à un projet de livre qui va finalement résulter de cette exposition.